cool. Je m'attendais pas à arriver sur ce terrain-là. Ça a été un petit peu autre chose que mon travail que je fais d'habitude. J'ai fait plusieurs séries qui n'ont rien à voir à ça. Et quand on m'a proposé le projet, comme c'était un petit peu dans le social, ça m'a parlé. Et j'ai fait, moi, à la base, je suis reconnu dans l'art pour une série que j'ai fait sur les gangs en Thaïlande. Là, actuellement, je sors du Grand Palais la semaine dernière. J'ai fait une exposition au Grand Palais du mercredi au dimanche soir. Et là, ça me fait autant plaisir que d'être dans ma ville et présenter cette série sur les femmes. Samuel était chargé de la partie photographie et moi j'étais plutôt chargé de la partie écriture. Comme j'ai écrit pas mal d'ouvrages, j'ai écrit notamment un essai « Souffle à la femme ». Donc il y avait pour objectif en fait de mettre en lumière un parcours de femme, et donc c'est pour ça je pense que j'ai été sollicité pour ce projet. Et donc moi c'était vraiment voilà, rentrer dans l'intimité des femmes par le biais de l'interview. Donc, vous avez des interviews téléphoniques ou bien physiques, et donc voilà par ces biais là j'ai pu rentrer dans des parcours de vie et j'ai essayé de le retranscrire de la meilleure des manières et de façon poétique. Des évolutions fortes en matière de récits à faire dans notre société, et c'est vrai que notre société est encore trop patriarcale. Le regard masculin est encore prédominant. On le voit chez les enfants, hein, avec des petits garçons qui ont plutôt le comportement du papa et des petites filles qui ont le comportement de la maman, même si de bonne volonté, on essaye de faire passer l'inverse. Donc on a encore du chemin. On a encore du chemin, nous les hommes, je pense, mais avec les femmes, pour faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre les femmes et les hommes, pour que cette société soit la plus équilibrée possible, la plus harmonieuse possible, pour enlever les enjeux que je viens d'évoquer. On sait que dans notre société, les hommes ont eu souvent le pouvoir de décision, ont beaucoup conduit les politiques publiques. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, ce n'est pas de faire plus à la place des hommes, c'est de faire à niveau d'équité. Une femme, c'est un individu à part entière comme les autres. C'est pas particulier, une femme. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que notre façon de penser étant différente, c'est complémentaire. C'est pour ça qu'en fait, dans les équipes municipales, au niveau des différentes, de la constitution des politiques publiques, il faut des femmes et des hommes. Parce qu'en fait, on se complète. Samuel, en fait, moi je suis fière de lui parce que d'abord, c'est un enfant de Savigny. Tous les enfants de Savigny sont un peu mes enfants. Quand je disais, il a un parcours cabossé, Samuel. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru en lui. Et puis, il y a des gens qui ont cru en lui. Et nous, on est fiers d'avoir cru en lui. En tant qu'artiste, il a su sortir ce qui était beau dans sa vie et ce qui a été plus difficile. Donc, c'est un grand artiste, Savignien. Et on est fiers. Et il est tellement respectueux des femmes.